Aujourd'hui, petite étape. Très petite étape. Balade. Aujourd'hui, balade. On a passé nos bagages à Valérie de la MJC de Livron. On l'a rejoint dans une maison avec une petite piscine. Ouais. À 60 km d'ici. Donc là, c'est balade. Hein. Ah, Tristan ? Ouais. C'est dur, là. J'ai mal au cul, j'ai mal au dos. J'ai oublié de mettre de la crème aussi, donc ça brûle. Mais a priori, cet après-midi, ça devrait pas être trop mal. Been lost in the country, been lost in the town. Dernière côte avant l'arrivée. Je crois que c'est pas des moindres. Ah, on arrive au bout du village. C'est un village classé, mais c'est aussi un village perché. Ici, on est accueilli par Valérie qui nous a proposé de passer l'après-midi chez ses parents. Voilà. On va récupérer un peu. On est en train de visiter avec Pierre et Valérie qui ont grandi ici, qui nous racontent leurs anecdotes. Ah, j'ai fait de la mobilette ici, mon gars. Et ça, cette maison, il n'y avait pas. Ça. Salut toi, ça va? La pêche? Pendant tout le voyage, on a eu des gros problèmes à décider. Hein. Ouais, gauche, droite. On ne savait jamais où aller. Et là, on a une petite journée de pause et pff, en fait, on a toujours le même problème. Bah ouais, on sait pas si on prend le transat en toile ou le transat en coussin. Alors Valérie ? Oui. Est-ce qu'il est bon ton petit mojito ? Il est bon, il est très bon. Qu'est-ce que tu en penses ? Très bon, il est frais. Il y a son, j'en remets pas. Ah, et ça, il a chance, c'est important. Là, on est à l'Argane. J'ai envie de vous dire, on est au max. Et du coup, je me fais un petit France-Allemagne jeudi au stade Vélodrome. Autant vous dire que le petit était content hier soir. Non, mais j'avais d'autres trucs à dire. Attends-moi. Laisse-moi tranquille.